Bien le bonjour, alors écoutez, je sais pas trop où on est en fait. On est dans un lieu un peu spécial. Peut-être croiser un mort-vivant dans les parages, je sais pas. C'est assez curieux comme endroit parce que on dirait un mélange de Matrix, Alice au pays des merveilles et Auschwitz. C'est pas moi qui le dis, c'est assez curieux quand même. Coucou, coucou les gens là-bas. Peut-être qu'ils font du squat. Alors ça là, c'est sans doute les rails cosmiques pour emmener les powerlifters vers une mort prochaine. Voilà, je suis retombé sur le camp de concentration. C'est assez beau hein, pour un camp de concentration. C'est même plutôt très beau. Ça a l'air d'être un camp de concentration pour powerlifter. Vous voyez, là, ça fait comme une petite salle d'attente. Et là, il y a une billetterie là-bas pour acheter ses billets pour mourir. Paraîtrait qu'on les tue en les goinfrant de 10 000 calories par repas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la Team Shape ne risque rien ici. Le camp de la mort, c'est tantôt beau. Pauvre powerlifter. Apparemment, ils accueillent les powerlifters handicapés. Enfin, du moins ceux qui se trouvent des excuses pour pas faire les jambes, comme d'habitude. Regardez, on peut même constater que le bras est plus épais que les jambes. Les jambes s'effacent. Et c'est honteux. Ici, des vagues d'herbe. C'est vraiment curieux. Arnold doit vraiment se retourner dans sa tombe.
Ce sport, c'est vraiment pas un truc joyeux. C'est obscur dans tous les sens du terme. Là, je bois un café, tu vois, là, mon estomac est en mode. Ah, tu vois, là, je vais aller m'entraîner lourd, mes tendons sont en mode. Mes muscles sont en mode. C'est un monde obscur, hein, vraiment, de A à Z. Hein, c'est vraiment pas du plaisir. Oh! Putain, faut toujours qu'il y ait des travaux ou des gens qui passent ou quelqu'un qui pète à côté de moi quand je fais mes vidéos, c'est juste incroyable. Donc, un de mes chums, Arthur, un gros gabarit, qui m'a demandé de parler de l'automotivation. Parce que la motivation en soi, déjà, c'est quelque chose d'abstrait. Chacun a sa motivation. Chacun a une façon de voir les choses. Chacun a une façon de se motiver de manière à pousser ou à se transformer d'une certaine manière. On n'aura pas tous besoin de la même motivation. Donc à un moment donné, la motivation, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un processus qui va te permettre de t'encourager à faire quelque chose, en gros. Je ne vais pas rentrer dans les détails. De toute façon, ça se passe dans la tête. C'est cérébral, hein. C'est pas un secret, c'est cérébral. C'est comme tout. Par contre, j'aimerais parler, c'est de l'automotivation. Parce qu'il y a des choses qui vont peut-être te motiver, mais à un moment donné, moi je suis quelqu'un de très solo. Je préfère être solo et je préfère me motiver moi-même. Parce qu'il y a personne, il y a personne qui va pouvoir me motiver mieux que moi-même à faire quelque chose. À un moment donné aussi, ouais, j'aimerais revenir sur ce point-là, c'est que quand tu aimes faire quelque chose, à la base, tu n'as pas besoin de motivation pour faire une chose que tu aimes. T'as pas besoin de motivation pour aller au McDo, je vois pas pourquoi t'aurais besoin de motivation donc pour pouvoir aller à la salle et donner ton 99%. Hein. C'est un minimum quoi, je veux dire. Ça me fait rire. Je pars en vacances 2 semaines, la reprise, dure dure. Non, non, arrête tes conneries, c'est bon. On fait tous preuve d'automotivation tous les jours sans s'en rendre compte. Là, tu vois, je vais aller m'entraîner, j'ai pas de booster, je suis obligé de boire un putain de café dégueulasse. Bon, j'ai pas d'action chez Decathlon, hein, je bosse pas pour eux, je m'en fous un petit peu, c'est juste que c'est un très beau shaker vert, alors du coup je le prends. C'est vert un petit peu comme dans ma tête, tu sais. Pourquoi j'ai dit ça, moi? Oh. C'est du café soluble. Le café soluble, je le dose comme un malade. Donc, je sais pas, il doit y avoir entre 700 et 800 mg de caféine, sans doute. Wouh! Hey! C'est dégueulasse! Ça, tu vois, c'est de l'automotivation. Tu te dis que même si c'est dégueulasse, même si ça va te donner une haleine de papy de 75 ans, tu vas quand même le boire parce que ça va t'aider. C'est tout. Tu sais, à un moment donné, tu commences à oublier les détails. Ah non, moi j'aime pas ça, les légumes. J'aime pas le café. J'aime pas ceci. Tais-toi. Ça va t'aider. Point. Donc tu bouffes, tu bois ce que t'aimes pas, tu fais ce qu'il faut faire pour y arriver, c'est tout. C'est ça l'automotivation. Tu vois, la pure motivation, c'est de se dire. Mon Dieu, j'ai déjà fini ma séance, je vais devoir partir. Tu vois, la motivation, la vraie motivation, c'est d'être dégoûté de quitter la salle, de quitter, de laisser de côté un moment que tu aimes faire. C'est ça la vraie motivation. C'est pas regarder des vidéos. Hey, tu crois que les anciens, là, à l'âge d'or du bodybuilding, ils avaient des vidéos, des trucs genre Machiavelli Motivation avec des gogoles qui gueulent derrière Non, ils n'avaient pas ça, les gars des années 70. Ils n'avaient pas YouTube, ils s'auto-motivaient. Tu sais, je vais être un peu clair et net et quand même incisif. Tu sais, quand un type me dit, moi non, moi j'aime pas trop faire ça, et puis et tu sens qu'il se force à faire ça. Écoute, mec, c'est que c'est pas ton sport. Retourne jouer au tennis, va faire un FIFA avec tes potes là. Mais oublie le bodybuilding, oublie la force, c'est pas fait pour toi, tu sais. Si t'as besoin d'une motivation particulière pour faire quelque chose qui est censé te plaire et t'aider dans ta vie, c'est que t'as rien compris. Le gros problème, c'est qu'on n'a pas tous la même sensibilité de l'effort. Donc quelqu'un va plus ou moins bien supporter l'effort que quelqu'un d'autre.
Il y a des gens qui supportent pas du tout l'effort. Tu leur demandes de faire un squat, mon Dieu. Une série de 4 reps à 80 kilos, sous 1,5 g de testo par semaine, ça devient dur, là. Ça devient vraiment dur. Donc bon, à un moment donné, quand t'es amené à avoir les épaules plus grosses que tes jambes, j'ai rien contre les mens physiques, mais à un moment donné, faut pas déconner. Ce qui est bien avec ce sport, c'est que justement, c'est pas juste bâtir un physique, c'est aussi apprendre à prendre sur soi, de se dire voilà, il y a ça de compliqué, ça va être difficile, mais je vais faire avec. Et au final, ces choses-là qui sont difficiles dans ce sport, ça devient. Là, ça t'irrite même plus. Tu vois, tu deviens quelqu'un d'autre. Et ça se transfère sur la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'on me dit, mais tu, oh mon Dieu, tu vas te faire mal, c'est lourd, mon Dieu, il y a 280 kilos au sol. Bah ouais, regarde, tu vas voir, je vais le soulever facilement. Ah bah ouais, tu l'as soulevé facilement, bah ouais. Parce qu'il y a des choses bien plus dures que ça dans la vie, il y a des choses bien plus lourdes que la connerie de plus de 200 kilos qu'il y a au sol. La vie est bien plus lourde que ça tous les jours. Alors pourquoi j'aurais du mal à soulever un truc qui est plus léger que la vie? C'est bien beau de parler de l'automotivation, mais comment on peut faire pour s'automotiver? Alors, moi, ce que je fais personnellement, bah déjà j'aime ce que je fais, donc forcément j'ai pas besoin de vraiment de motivation. Là, tu vois, par exemple, ça fait à peu près 21 jours que je m'entraîne sans rest day, 100 jours de repos, à peu près 21 jours. Faut quand même être motivé dans le fond quand même. Donc, comment moi je peux faire pour m'auto-motiver? Alors, il y a l'aspect physique. Alors, à un moment donné, tu vas avoir des points chez toi qui manquent, où tu dis, bah tiens, j'ai envie de plus de bras, j'ai envie de plus de ceci, j'ai envie de plus de cela. Quelque part, c'est un peu une automotivation de se dire, bah il me manque ça, ça va te donner envie d'aller plus loin et d'ajouter des exercices, d'intensifier d'autres exos, de prendre du repos sur un exercice, puis en ajouter un autre, etc., etc. T'as l'aspect mental aussi, mettre plus lourd, te confronter à une charge qui est inhabituelle ou que t'as jamais faite. Ça peut être en diminuant les temps de repos, en faisant quelque chose de plus intense, quelque chose qui est inconnu un peu, que t'as pas l'habitude. Tu sais, augmenter de la difficulté, tu sais. Je vois pas ce qui peut être plus dur qu'un truc que t'as peur de faire ou que t'as pas envie de faire. Si tu te confrontes plus régulièrement à quelque chose que t'aimes pas faire, que tu détestes, il y a des choses qui te gêneront plus, alors profites-en. Et j'ai pas du genre à mettre du sucre, du lait, d'ajouter un truc qui adoucit, hein. Sucralose ou quoi, moi c'est pur, quoi. Vraiment, sans sucre, sans gluten, sans stéroïdes, sans shaker. Un délice, un régal, messieurs, dames. Nolex Coffee, l'excès, le nouveau café intense, by Nolex 23. Nique sa mère, c'est dégueulasse. Jesus Christ!